Monsieur le Président, honte à ce gouvernement conservateur pour avoir modifié sans consultation la formule de péréquation. La décision de ce gouvernement ne tient compte d'aucun des principes de responsabilité et de transparence. Le premier ministre a provoqué la majorité des Québécois justement à cause de ce genre d'attitude. Dois-je rappeler au très honorable premier ministre qu'il dirige une fédération et non une république? Monsieur le Président, on voit encore une fois que le gouvernement conservateur est incapable de bien gérer notre fédération. Il n'y a pas si longtemps, le ministre des Finances, lui, assis juste là, disait que les chicanes fédérales provinciales étaient terminées. Allez dire ça au premier ministre du Québec, Jean Charest, qui en veut à ce premier ministre d'avoir renié la parole donnée aux Québécois. Pourquoi le gouvernement pense-t-il que de renier sa parole est la meilleure façon de gérer notre pays et cette fédération? L'honorable ministre.